L'intérêt de la pile à combustible, c'est finalement d'aller compenser un des plus gros défauts du véhicule électrique pur, c'est-à-dire son autonomie. Si on veut un véhicule électrique avec beaucoup d'autonomie, on est obligé de mettre des batteries qui sont de plus en plus lourdes. Grâce justement à la technologie liée à la pile à combustible, on va pouvoir avoir des véhicules lourds qui vont pouvoir stocker des grosses quantités de gaz dans simplement des bouteilles. Et donc on va avoir des véhicules lourds qui vont pouvoir utiliser cette technologie pile à combustible, ou alors des véhicules qui n'ont pas la possibilité de perdre beaucoup de temps à la recharge, qui est aussi un autre point négatif des véhicules électriques. Ici, on peut faire un plein d'un véhicule d'hydrogène à peu près aussi rapidement qu'on le ferait avec un véhicule thermique, essence ou diesel. Pour les entreprises, de se renseigner sur les technologies liées à l'hydrogène et en particulier à pile à combustible, c'est aussi pouvoir prévoir les évolutions qui arrivent dans le futur, se maintenir aussi à jour par rapport aux nouveautés, et pouvoir répondre éventuellement aux nouveaux défis qui vont arriver dans les années futures.